Yo les gens, bien ou bien, ça y est, je suis au stade pour le game day. Game day contre les premiers aujourd'hui, contre les Archers. Pour moi il fait beau, pour moi il y a du soleil. J'espère que ça va donner quelque chose aujourd'hui. Parce qu'on perd, au dernier match on perd de NTD. J'espère que ce match on va le gagner. Même si c'est que de 1 TD ou de 1 point qu'on va le gagner. Parce qu'il paraît en plus si on gagne celui-là et le suivant en playoff, on a une chance de jouer dans le gros stade de Katowice. Et c'est pas un stade de rigolo, quoi. C'est vraiment un méchant stade, beau stade. Et plus dans celui-là. Quoi. Celui-là, les gens, il est un peu clat au sol. Ça serait bien. Ça serait bien qu'on gagne. Salut. Préparation des caméras pour la télé, comme d'hab, toujours au top. Ils sont là. Grâce à eux qu'on a des belles images, des matchs. Une caméra là-bas, après je crois qu'ils mettent une caméra là-bas, là et ici. C'est tout. Il vient pas d'Alabama lui. Il vient pas d'Alabama lui. Oh my god! Il vient pas d'Alabama lui? No! No? No! No? No! I play in the WXFL, you know, the women's extreme football. Oh! The lingerie league? Yeah, that. Yeah. They said I was too small. So. Devian or La Parish? I don't know. Funny. What's up, man? You ready? Oh, shit. Les gens, ça y est, on est beaux gosses. Ça y est, les gens, on est beaux gosses. Prêt pour le game. Game day. On va passer assez chaud. Échauffement. Bah, t'as froid ou quoi? T'as froid? T'as froid? Ouais. Hop. Oh. Like the ball like this. You can play with your vision? No. You can play with your vision? The rest? No, no. Oh, okay. Just for the one. Huh?
Hey, let's go! Bon les gens, le match il va bientôt commencer et j'ai toujours pas mon caméraman. Du coup, pas de caméraman, du coup vous aurez encore les images du live. Bon voilà, voilà les gens, je vous dis à tout à l'heure. À l'heure, pour le match. Pour le match. Ou pour après le match.
Tu vas vraiment passer par-dessus ça? Je vais faire quoi? Vas-y, passe, bah, chier, hein. Non, t'es pas bon. Oh putain, ma jambe. Bah, le cascadeur. Des cascades. Heureusement, je suis souple. Attends, il y a un train qui arrive là-bas. Hein? Il y a un train à gauche. Yo les gens, bon, on n'est pas après le match, on est lundi, lendemain de match. Et plus les matchs avancent, et plus j'ai pas envie de parler après. Déjà après le match, c'était franchement, c'était dur, c'était chiant, c'était un long match. Malgré qu'on perd que 34-0, mettre quoi, deux field goals? Mettre deux field goals en deuxième mi-temps. Mais deux en ouais. Première mi-temps, on prend un pick six. Donc la défense, on va dire. J'ai pas envie de dire qu'on fait un bon match, mais. On peut on dire que c'est honnête. On fait un match décent, comme on dirait. T'as fait on quoi fait... 3 stops on a fait plus que 3. On a fait plus de stops. On a fait au moins 4-5. 4-5 stops. Le truc, c'est que l'attaque. Même... Bah oui, il y a les turnovers que l'attaque, il rend la balle de suite deux fois. Il y a deux turnovers. C'est vrai, il y a eu deux turnovers. Et on fait deux turnovers. L'attaque la balle, et rend la balle de suite. Je crois qu'on était sur nos 40 minimum à tous les drives. À partir de là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de jouer. Bon, on va pas dire que vu le score, on va rien dire de plus, mais je pense que niveau physionomie, l'attaque, la défense, mais se prend 20 points parce qu'on prend 3 big plays, 2 big plays, qu'on se prend, on se prend. Et voilà quoi. Après, le reste, c'est on va dire faute de l'attaque. Pas vraiment faute de l'attaque, c'est mauvaise position. L'attaque, c'est, on va dire qu'il ne s'est rien passé du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match offensif où il se passe rien. Ou pire que rien, quoi, des turnovers. Ouais, du tout. Ou même un gros jeu où on fait un fumble de l'année, hein. Gros, hein. Faut que j'en fasse un dans l'année, obligé. Faire un, toujours. Après, comme je disais, il y a tout le monde qui a chié, il n'y a rien à dire. Et ouais, les gens, petit fumble. Fumble, grosse réception mais gros fumble à la clé. C'est chelou ce fumble parce qu'en fait toi tu fais ça et le mec boum il te saute la balle. Parce qu'en fait moi ce que je fais, j'attrape, je cours, je regarde à droite, je vois qu'il est loin, je me dis c'est bon. Mais en fait j'ai pas vu qu'il y avait un derrière. Je tourne là pour voir l'autre et en fait je vais pour freiner, pour passer, pour que Igor il fasse un bloc. Et au moins je fais ça, je freine comme ça et là il y a le mec qui passe et il me fait. Oh j'ai ça. Vu j'ai et là je fais non. En fait, du moment où tu fais ton fumble avec John, on a dit c'est bon. Offensivement, on fera rien ce match. Ben, on n'a pas eu le temps. Bon, bref, les gens, il nous reste un match. Dernier match au samedi contre les derniers du championnat. Normalement, on est quand même en playoff, Bob. Il y a de grandes chances qu'on soit quand même en playoff. Voilà, il y a de grandes chances. Il y a plusieurs scénarios qui font qu'on serait pas. Voilà, il y a énormément de scénarios. On va pas vous les dire parce qu'il y en a trop. C'est n'importe quoi ici. Mais du coup, on joue contre les derniers. Et tu avais calculé déjà? J'ai calculé quand même. Non, mais gros, si on perdait. Non, en fait, soit on perd. Enfin, je te dis, en gros, il faut gagner. Oui, il faut mais gagner. Il y a un scénario où il faut qu'on perde en prenant plus de 90 points. Voilà, en gros, il y aurait. Même si on perd, il faudrait qu'ils mettent 90 points pour pas qu'on passe en playoff. Bref, c'est pas l'objectif. Non, ça, c'est une scénario, c'est pas le genre. Mais en tout cas, on va gagner. Voilà, dernier match, pour être en playoff, on va gagner. Du coup, les playoffs à la maison, c'est mort. Parce qu'il fallait gagner le match contre les Archers, on va pas gagner. Donc là, il reste ce match. Et après, advienne qui pourra, déjà pour eux, ça serait énorme. Donc du coup là, on va se réconforter avec Baf, on va aller chez le petit sponsor. On va manger un steak. On va manger. Bah aujourd'hui, pour moi pas un steak, toi oui. Mais vous allez voir, ça va être aussi délicieux. On va se régaler, comme on a l'habitude. Ouais, c'est notre petit resto maintenant. Ah oui, c'est l'heure. Deux, trois fois par semaine. C'était les gens, avec ce prix qu'on a là, en vrai, si le restaurant il serait au bas de l'hôtel, on serait tous les jours. Mais c'est vrai. Moi, tous les jours, j'ai fait 3 comptes, je paye à la fin du mois. Ah, c'est ouf. À la fin du mois, je fais 200 de l'outil. Ok, tiens. Bon, les gens, je suis un cave, j'ai oublié de filmer le bon petit repas. Du coup, t'es calme. Du coup,
semaine de match. Comme je l'ai dit, reste un match. On va peut-être aller en commando, Bav. Hein. On va y aller en commando. Moi, je pense qu'on va aller en commando. Hein. Non, c'est... Parce qu'il y a plein de rush kits, là. Donc, bon, là, je pense pas que je vais filmer cette semaine l'entraînement, parce que ça va servir à rien. Ça va être comme la dernière fois. Voilà. Il n'y aura personne aussi. C'est rigolo parce qu'on fait la photo d'équipe jeudi pour savoir ce qui va vraiment se pointer jeudi sans sérieux. S'entraîner. Sérieux, c'est vrai ça en plus. Photo d'équipe jeudi et qui va venir faire la photo d'équipe et qui va s'entraîner, qui va pas s'entraîner. Moi je pense qu'il va y avoir même des absents sur la photo d'équipe. Je pense qu'on sera même pas assez pour la faire. Il va annuler, c'est sûr, vous allez voir. Il va annuler. Bref, les gens, je vous fais des bisous. On se voit au prochain vlog. Ça sera sûrement après le match des Aigles, espérons une victoire, les playoffs, et on verra la suite. Bisous, bisous.